Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment afficher, comment rendre visible l'icône du Marketplace sur Facebook. Et en même temps, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors pour commencer, je vais me connecter avec un compte qui n'a pas le Marketplace dans l'application. Et si vous êtes dans le même cas et que vous voulez l'activer, il vous suffit d'aller taper dans la recherche Marketplace Facebook. Dans les résultats, il vous propose l'accès au Marketplace. Vous appuyez dessus et là, vous arrivez directement sur le Marketplace. Ensuite, il vous suffit de l'utiliser, de choisir un lieu par exemple, d'aller dans une annonce, de l'enregistrer. Le tout, c'est de montrer à Facebook que vous en avez besoin. Si vous mettez à jour votre flux d'actualité, vous n'avez rien. Si vous vous déconnectez et vous vous reconnectez avec votre compte, peut-être il sera activé. Et si ce n'est pas le cas, vous retournez comme tout de suite dans le Marketplace via la recherche. Vous continuez à l'utiliser un petit peu. Là, par exemple, on va rechercher un iPhone, regarder quelques annonces. Et si vous vous déconnectez et reconnectez avec votre compte, normalement, au bout d'un certain moment, vous devriez avoir l'icône du Marketplace dans votre application Facebook. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce compte. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager puis à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!